Bonjour tout le monde, ici Caribou Canada qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Sherlock Holmes, chapitre 1, live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Bon, continue l'aventure. C'est vous qui vous êtes occupé des blessures de notre frère. Je vous remercie. La police a refusé de nous laisser le soigner. La police ne vous dérangera plus à présent. J'ai prouvé en force de l'ordre que l'homme qui s'est introduit dans le camp est mort de sa propre stupidité. Merci de nous avoir défendus, mais personne n'aide les autres sans raison. Si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez quelque chose. Oui, c'est bien ça. J'ai besoin de m'entretenir avec la femme sur ce portrait. Le mort l'a cherché aussi. Il voulait l'amener, mais nous ne laisserons plus personne lui faire de mal. Que voulez-vous, Anela? Anela, elle a été blessée il y a quelque temps. Je suis là pour retrouver ceux qui ont commis ce crime et livrer à la justice. Et pour les trouver, j'ai besoin de l'aide de Anela. Me permettez-vous de lui parler? La justice, il n'y a pas de justice sur cette terre. Mais nous avons aidé, alors peut-être que vous dites la vérité. Vous pouvez parler à Anela si c'est aussi ce qu'elle désire. Mais je vous aurai à l'œil. Hello, Nayla. Mon nom est Sherlock, je sais que vous avez du mal. J'essaie de retrouver le coupable et de le livrer à la justice, s'il vous plaît. Il y a une photographie, je suis navré, car c'est terrible, mais je dois vous demander de... Où ça s'est passé? Que voulez-vous me dire à ce sujet? Bon sang, Sherlock. Nayla, je pardonne, je ne suis pas très doué pour ces choses-là. Vous venez me trouver si vous êtes impoli, cruel et condescendant. Une croix, l'homme avait cette croix. Et maintenant, allez-vous-en, laissez-moi, je n'ai pas besoin de l'aide d'un blanc. Je suis très content. Ce n'était pas mon heure de gloire, loin de là. Nayla ne veut pas que dans Saint-Miss, je commence à m'interroger sur l'aboutissement. Elle t'a aidé quand même. Nous connaissons maintenant le visage de ce maniaque ainsi que la croix qu'il portait. Nous pouvons encore l'appréhender. L'exécution est souvent octroyée aux fonctionnaires et aux scélérats. La photographie pourrait en être un. J'en ai retracé le croquis basé sur la photographie du viol et j'ai trouvé dans l'apparent seulement de Mercure sur ce dessin. Il a donné une débauche au débauché, l'apparence d'un homme en costume rouge avec les nombreuses queues sortant de son dos. Nella a tracé un croquis sur son insigne, particulièrement en forme de croix qu'elle a vue sur sa poitrine. Les écussons de ce genre sont habituellement trouvés aux fonctionnaires de haut rang.
du gouvernement britannique. Un spécimen qui sert en guerre souvent en cordonnat et qui travaille plus rarement encore. I owe you a lot, Mr. Holmes. You still here? Can I go there? Your problem, not mine. The intruder has un tatouage très particulièrement sur son cou. Il consiste en deux lignes avec un point. Savez-vous quelque chose à ce sujet? You know anything about it? You really want to know, kid? Vous tenez vraiment à savoir, de jeune homme, pourquoi vous voulez jouer au policier ou bien? Je suis sûr que vous disposez de ces informations dans votre dossier. Mon dossier, c'est juste un tatouage, on le répète. Et pareil, et puis allez au diable. Vous incitez alors, voilà, faites-en ce que vous en chante. Officiellement, les tatouages comme celui-ci sont liés à un homme nommé Niccolo Bernardotti. Un homme d'affaires respectable de Scaladio. L'entreprise fait de l'importation de marchandises de vin et fait passer tout ce qui peut passer en contrebande entre la colonie et l'Angleterre. On peut identifier ces hommes aux tatouages obscurs qu'ils portent, lesquels ressemblent très pour très à celui de notre ami ici présent. Mais tout ça est un ramassis de rumeurs, vous voyez. Si M. Bernardotti était un criminel, il serait en prison à l'heure actuelle. Au gibet, pas vrai? Sherry, wait. Cher, tu ferais mieux de régler toutes les affaires du camp avant de partir. Je doute qu'on irait bien d'histoire. Au fini. Are you able to help me? Sorry. Pardon, je vois pas grand chose. We don't see much here. At least some of your kind have a hut. Thank you again. Terrible events are behind that canvas, Sherry. Excuse me, just one question. Sorry. We don't see much here. Help me, please. Sorry, we don't see much here. We have seen some dark places in Cordona, but this... Can I ask you a question? Sorry, we don't see much here. You're disturbing a hornet's nest here, son. I owe you a lot, Mr. Holmes. There are still matters we can settle before leaving the camp. Anything about this? They often take us from the camp. Souvent du camp pour travailler, mais la plupart s'y accommodent. Laissez-moi toucher la liberté à tous les doigts. It's the only way to get a glimpse of freedom. Les réfugiés et les individus suspects viennent régulièrement au camp et prennent avec eux plusieurs de ses occupants ainsi que les employés divers tâches. Le travail est souvent laborieux, mais les réfugiés reçoivent de l'argent et de la nourriture en échange. Et au cours d'une de ces missions,
que le viol de la victime aurait eu lieu. L'incident depuis incité les réfugiés à refuser l'emploi des femmes pour ces tâches. So there's a smuggling ring in the camp. Le camp est donc un théâtre d'une opération contrebande. Ce n'était pas la première fois que quelqu'un y était là-bas pour emmener les réfugiés. At least it was certainly his last time. My gut tells me. Au moins, nous ne pouvons être sûrs que pour lui, c'était la dernière. Mon instinct me dit que nous ne saurons plus sur cette opération. These events have fractured into so many pieces. But I know you can collect them all, Sherlock. I owe you a lot, Mr. Holmes. Who isn't allowed to visit the crime scene these days? Murder! Beasts! Is this... I just... need to collect my thoughts, Sharon. Bon, où aller maintenant? On allait à l'hôtel de ville. Guests of Cordona, the treasures await you. Je suis curieux comment Mycroft vous a-t-il recruté. Vous n'avez pas l'air d'être un agent de terrain, je suppose que vous apprenez le renseignement. C'est correct, votre frère a remarqué mes talents lorsque j'ai remonté la trace d'un espion dans les archives. C'est ainsi que nous collaborons. Et vous, Mycroft, vous a-t-il contraint à cette tâche? Pas du tout, nous partageons souvent les mêmes intérêts pour quelqu'un ou quelque chose. Évidemment, je suis sûr que vous acceptez cette fructueuse coopération de bonne grâce. Je suis son frère cadet, voyez-vous, il me faut bien assumer les conséquences d'être proche d'une personne officielle. J'imagine qu'à certaines manières, vous voyez la collègue, monsieur. La plus distance des façons, madame. May I ask for your assistance? I'm sorry, but I've never heard of that. Bon, j'ai retracé un croquis basé sur les photographies du viol. Et apparemment, c'est Mercury. Thomas Norton, né à Londres en 1840, diplômé de l'Université d'Oxford en 1864, et entré en fonction en tant que secrétaire du bureau intérieur en 1869. Il a accepté une position d'officier des armées en Inde en 1875. Il est vu délivrer la médaille de l'Ordre du Bain par la reine en personne en 1877. A été nommé au poste d'envoyé britannique en Cordona et a reçu son propre cabinet à l'hôtel de ville le 1er mars 1878. En 18. Non, on sait que c'est prof. On sait son nom. Niccolò Bernatodi. Caladio. Caladio.
était sur le Bernatodi Company, entreprise fondée en 1873 par Niccolo Bernatodi. Sa siège social au sud-est de Scaladio, au Bazzaro, près de l'intersection avec Roman. Bernatodi Company achemine des marchandises entre la colonie britannique africaine et le reste du Royaume-Uni. Coordonnant inclut les produits importés, comprend des vivres sur vin et de café, des articles de tous les jours et plus encore. Le fondateur de l'entreprise est M. Niccolo Bernatodi, né en Sicile, dans le Royaume d'Italie. M. Bernatodi a déménagé à Londres à l'âge de 39 ans pour exercer son activité. Plus tard, dans la même année, il a délocalisé son siège en Cordona afin de, selon lui, ses preuves dire, se rapprocher de la colonie dans laquelle il investit. Depuis son arrivée sur le sol cordonnais en 1873, M. Bernatodi est devenu un mécène réputé des arts ainsi qu'un contributeur important au bien-être social de l'île. Parmi ses apports récents, on compte en outre l'achat de nouveaux matériels pour le poste de police de l'assistance portée au gouverneur dans le cadre du transport d'une aérostat baptisé Lead Zeppelin depuis l'Allemagne. What a lovely man. Véritable gentleman, c'est Bernatodi, tu trouves pas cher, j'ai hâte de faire ça encore. C'est social, social au sud-est de Scaladio, Bazzar Road et Roman. Have you found anything helpful? Hey. Sud-est. Dans Bazzaro. Ce serait ici. Allez, on y va. Petite course. Scaladio. On a à gauche ici. Roman et Bazzaro.
Must be a global conspiracy. Everyone agreed to act like I don't exist. They're just jealous of our friendship, Sherry. À moins que ce serait là. Do you know anything about this? So, you think if you have money, we should bow to your whims? No, sir. Are you able to help me? A solid question, sir, but I don't have the answer. This isn't working. You might need a different tack. Can I ask you a question? Nothing I can tell you, sir, but others might know more. Don't miss out on my unique clothes. Yeah, c'est là. Avec. It seems they're not expecting guests. I won't wait for an invitation, John. These workers don't look like your average Cordona folk. They're refugees from the camp. That's our way in, Sherry. Hey, yo. This is private property. You lost something.
Mission pour l'hôtel de ville. Bonjour, monsieur. L'hôtel de ville m'envoie pour maintenir M. Bastien au sujet de la 7 pagistas et 3 secondes pour débarrasser le plancher, sinon vous débarrassez de vos jambes. It's in Mr. Bernadotte's best interest to... Dans son intérêt, hein? Well, this has been miserable. Un échange lamentable. Sherlock, think. We know what the fellows from the gang look like. You can easily... Si les membres du gang, tu peux déguiser. C'est ça que je vais faire. Comme une fois, qu'est-ce qu'il ressemble? Petit bonnet, nanana, ok, allons-y. Let's pick something that suits you. Don't leave. Take one more look. Let's... A good choice. Le gars posté à l'entrepôt de Bernard Teddy refuse de les passer quand il ne fait pas partie de l'entreprise. John Sessin a pensé que j'avais trouvé un moyen d'y entrer sans avoir recours à la violence. J'ai pu déterminer l'apparence générale des employés. Il ne me reste donc plus qu'à me faire passer pour l'un d'entre eux. J'ai un chapeau. Let's pick something that suits you. A good choice. A good choice in... Oh, on va voir ce que ça va nous mener.
Hey, stop. Et toi, t'es qui? Je t'ai jamais vu avant. Regarde-toi, comme moi non plus, ami. Je suis John, débat. Tout juste de Londres, c'est fichu. Vraiment forcé à partager une couchette avec deux autres gars. Ah, c'est du berne, là, t'as dit tout caché. Qu'est-ce que tu fabriques ici? Il y a un quatch au camp réfugié. Je dois faire mon rapport à M. Bertrand, t'as dit, au plus vite. Je sais bien que c'est sauvage. Pas de nous mettre tes bâtons dans les roues, allez, en dedans. Bon, on a réussi à rentrer. May I ask you something? Sorry, we don't see much here. The silver and treasure, mate. Loads of pirate gold buried somewhere around, just waiting to be found. It's all rot, there's no treasure. But maybe there is. I just need to crack the bloody riddle. Could you help me? Nah, fella. I got no idea about this. Could you help me? Nah, never come across anything like this. Can you satisfy my curiosity? Nah. Eldon n'a pas réfléchi à cette affaire dans tout ça, dimension. Are you able to help me? Nah, fella. I got no idea about this. You did it, Sherry. A full immersion. Ah, c'est cher, dans le monde criminel. Can you satisfy my curiosity? Sorry, we don't see much here. Sherry, look. There we go. Some this seems shows. Familiar. Let's see what's hidden there. Voyons un peu. Vogel's stolen painting. Isn't it curious how it developed into a much more interesting case? A Dogon statue from West Africa. A century old at least. Masks, traditional for the Chokwe people of Central Africa. V.H. Grindley Flow Blue tableware. This is what lies behind the facade of Bernadotte Company Limited. An amazing piece of culture. I imagine many collectors and museums would be interested in having. Pour un homme de collectionneur. This marble fella. It's like it was made after my image. Tu ne trouves pas? You see it? Hello, friend. Tough day, eh? Oh.
If the damn idiot hadn't stolen the canary, si elle n'avait pas volé les canaries, je nagerais dans l'argent, enfin des miennes au lieu de ce qu'elle va. This is it. Mais voilà, c'est ici que this tout is se passe. Where all the magic happens. Excuse me, Mr. Bernadotte is busy. Monsieur est occupé pour l'instant. Invitation. Beaucoup de paperasse, feuilles de route, documents légaux. Ignorant qui vous êtes, mais je sais que quelqu'un vous a laissé entrer, c'est que je sois puni, mais d'abord, pardon. À votre convenance, loin de moi l'idée de vous importuner. Des autres. J'ai pas peur de ça, le boulot. J'ai eu la pélagre. Garde son sang-froid. Parrain du crime sans scrupules, cerveau calculateur. Niccolò Bernatelli est un impitoyable. Chef. Le gang qui est prêt à saler les mains sans hésiter dans le but de démontrer l'étendue de son pouvoir avant ayant travaillé tout au long de sa jeunesse. Monsieur Bernatelli a développé une haine profonde du monde qui l'entoure. Il attend le danger. Chaque tournant, il le crée volontiers lui-même. Né dans la pauvreté, il a dû travailler dans les champs dès le plus jeune âge. Il a pour cette raison contracté le pelage, maladie dont observé encore les effets sur sa peau. Il refuse toutefois de simuler ses séquelles. Sous les habits raffinés, référent s'en servir pour ne jamais oublier ses propres origines. Et celle de ses ambitions par Natotti et ses hommes sont marqués de tatouages différents qui se rejoignent néanmoins dans leur style. Des tatouages remplissant sans doute le rôle d'un côté représentant les divers rangs qui constituent une hiérarchie d'une organisation criminelle régie par le secret de la discipline. Niccolò Bernatelli est un impitoyable. Mauvaise nouvelle, le mafreux que vous avez envoyé au camp de réfugiés n'est parvenu qu'à se poignarder lui-même. Sa prochaine et unique destination sera la mort. Tous ces gars, qui diable êtes-vous au juste? Sherlock Holmes, et vous êtes Niccolò Bernatelli, contrebandier, ravisseur et véritable rapace, entre autres. De nombreux sont ceux qui oseraient faire irruption dans mon bureau pour me parler de la sorte. Vous souffrez soit d'un excès de confiance, soit d'un manque d'intelligence. C'est une propriété privée. Donnez-moi une seule raison de ne pas vous abattre sur le champ et ne faire aucun doute que mes amis, vos abonnés, y verraient là un cas de légitime défense. Connaissez-vous un dénommé Boniface Mercurio? Mercurio était un artiste local. Il y a quelques jours de cela, un homme s'est introduit dans son appartement, l'a saccagé et a tué le peintre. Le voleur cherchait quelque chose. Vous mettez ma patience à rude épreuve, jeune homme. Dans un instant, la connexion deviendra évidente. J'ai été embauché par domaine privé pour enquêter sous la voie récente d'un tableau provenant d'une galerie d'art. Mon investigation m'a conduit à un homme appartenant à votre organisation et par conséquent à vous, Monsieur Bernatelli. Vous semblez avoir brûlé quelques étapes. Pourquoi irais-je voler un tableau alors que je pourrais l'acheter à un clin d'œil? Heureusement, j'ai aperçu le tableau volé dans votre départ.
in your storeroom. La chaise, je vais voir bien des choses, monsieur. Oh, malheureusement, si je vous dis c'est vrai, ce ne serait pas la première fois que je viendrai à un objet volé. Je présume que vous avez embauché par le propriétaire de la galerie, dites-lui de me contacter et vous réglerez ça ensemble, cette affaire. Est-ce que vous savez que vous avez intrusé dans mon bureau? Votre suivre est mort au camp. Comme je l'ai dit, votre homme de main a été retrouvé mort au camp de réfugiés. Il s'est rendu pour enlever une femme, mais les autres réfugiés se sont interrompus pour tenter de sauver. La lutte a suivi et s'est soldée par un malencontreux suicide du ravisseur. Il porte le même tatouage que votre homme ici, présent dans ce bâtiment. En réalité, je dirais aussi qu'il ressemble fort à celui que vous avez au cou. Auriez-vous l'humanité d'expliquer ce que vous voulez à cette femme? Vous n'avez pas la moindre idée de ce dont vous parlez. Il n'a jamais été question de l'enlever, je vous l'assure. Les réfugiés vivent au camp en lumière à vie. Ce qui est arrivé là-bas, un accident tragique et dont je ne suis guère responsable. Pour quel motif votre homme de main pouvait-il se trouver sinon pour l'enlever? Pourquoi vous répondrai-je? Vous n'avez en rien justifié votre présence ici. Tant de paroles pour si peu d'actes. Quand vous avez fait une réunion dans mon bureau, monsieur Holmes, j'ai d'abord cru que vous souhaitiez parler d'affaires. Je vois à présent que vous vouliez simplement parler. Dites-moi exactement ce que vous désirez ou sortez d'ici. Il devrait établir la fondation du travail. Je suis en preuve pour conclure que le voleur de la galerie et le meurtrier de l'artiste est mort, retrouvé au camp, ne sont qu'une seule et même personne. La personne touche à sa femme, Monsieur Holmes. Avant que vous gagniez votre arme, sachez qu'il existe un dernier détail. La jeune femme que votre fille était censée réfugier au camp, réfugiée, était souillée lors d'une masquerade perverse. Le taquignol fut immobilisé par un photographe de Boniface Mercurio qui utilisa ensuite comme référence pour son tableau. On y voit le visage de l'agresseur. Enfin, c'est la raison de votre venue, si vous détenez la photographie. C'est ce que votre homme cherche quand il est introduit dans l'appartement de Mercurio, et c'est ce que vous convoitez aussi, n'est-ce pas, M. Bernardotti? Avez-vous la photographie sur vous? Combien voulez-vous en argent? Je ne suis pas assez naïf pour garder sur ma personne, et je n'ai pas encore décidé ce que je dis en fait. Je sais que l'homme sous la photographie est un envoyé britannique. Quel intérêt portez-vous à sa chute potentielle? Je dois admettre que plutôt impressionné par la minutie dont vous avez fait preuve au cours de cette affaire, ainsi vous êtes digne des réponses honnêtes. Mes affaires s'avèrent souvent ardues en matière de bureaucratie. Un homme de son rang qui accepte de fermer les yeux sur certaines choses pourrait grandement me faciliter la tâche. Les affaires s'inversent. En échange, je m'assure qu'on ne s'intéresse pas à ces affaires à lui d'un an. Aussi appelé chantage, le mode opérateur de tout procès qui se respecte. L'idée n'est pas la mienne, mais je fus allumé par Mercurio quand il exigea de l'envoyer au plus d'inspection des rançons de l'argent. En suite de réponse, l'envoyé a débauché mon homme de main dans l'espoir de récupérer un tableau et la photographie, ainsi privé Mercurio de son moyen de pression. Ce n'est qu'après le meurtre de l'artiste dans sa demeure que j'ai appris toute cette histoire. Au lieu de vous séparer de l'incident, vous avez opté pour reprendre l'activité de Mercurio. L'occasion est présentée à moi, un homme d'affaires que je suis, je me suis contenté de la saisir. À présent, combien voulez-vous pour la photographie? J'ai aperçu un réfugié au camp de votre entrepôt. Il travaille pour vous? J'ai convenu quelques accords avec l'hôtel de ville et la police. Grâce à moi, les réfugiés peuvent travailler et percevoir un salaire. C'est une voie qui donne sur la liberté. Quelle économie réalisez-vous en exploitant ces main-d'œuvre peu onéreuses? Aucune plainte ne m'est parvenue. Ils semblent heureux de pouvoir s'échapper de cette bourgue. Je n'ai pas pu m'empêcher d'apercevoir la collection d'artefacts de contrebande dans les débarras. Vous êtes à la tête d'une entreprise depuis diverses. Quel grand air que vous prenez là, Monsieur Holmes. Tout contrebande n'est pas immoral. J'offre des sommes généreuses aux cultures en voie de développement et je propage leur mœurs à de fervents acheteurs. En outre, j'apporte à de nombreux immigrants un souvenir de leur pays natal. Un état d'esprit qui vous rend bien service. J'ai parcouru le monde, Monsieur Holmes. L'autre bout se trouve des gens pour qui mes services sont vitaux. Sans eux, ils mourraient de faim. L'impôt sur la cargaison est souvent si absurde qu'il serait plus profitable de faire couler son navire au lieu de le laisser s'amarrer au bord.
Faites-moi confiance. Je sais trop bien de quoi je parle. Pourquoi vous avez chargé votre fils d'extraire la femme du camp sans la photographie, sans témoignage, constitue le meilleur recours? Avec elle, au lieu de sûr, tout le monde y gagnait, les victimes et les témoins, ou une fâcheuse tentant de disparaître. J'estimais que la femme était plus en sécurité avec nous. Je n'avais pas anticipé les événements qui sont sa mort, supposant que je vous la donne. Pourquoi je vous donnerais la photographie? Votre prix serait le mien. Même si je ne paie pas avec de l'argent, vous revendiquez cette relation, M. Bernadotte. Peut-être que, tel en votre pouvoir d'améliorer la condition des réfugiés et de leur offrir une chance de mener une vie meilleure. Ah, je ne les revendique pas, je les aime, M. Ho. Mais vous en demandez beaucoup trop. Cela étant dit, je pourrais arranger de telles mesures pour une personne. La victime du viol aura désormais son propre foyer en dehors du camp et vivant pour elle et son enfant. Elle ne vivra plus comme une réfugiée, mais comme une princesse, je peux vous le garantir. Une telle chose était vraiment bien, ce ne serait si simple ni rapide, mais je peux le faire, je le mérite, ne pensez-vous pas? Elle le mérite. Pour ce qui est de son agresseur, il me servira autant que nécessaire. Dans votre dessin, chacun recevra donc ce qu'il mérite, en particulier M. Bernadotte. Il s'agit d'un marché assez juste, non? Je doute ce qu'il se soit puisse faire mieux. Vous n'aurez qu'à confier la photographie et le monde s'en portera mieux. Je vous donne ma parole. Qu'est-ce qui se fait dire que tu peux décider du sort de ces gens? C'est l'arrogance née impérialiste britannique. Je prends note de ta remarque. Bien sûr, soit de réussir ses preuves quand on est sur un envoyé afin de faire chanter. Je n'ai aucun doute de votre marché. Salut Mr. Flight, salut Nadzeli. Ouvrez la porte de devant. Qu'est-ce que je fais maintenant? Allez voir le voir, qu'est-ce que lui a à dire. Non, vous êtes de retour. Avez-vous fait d'autres découvertes au sujet du vol? Ah,
Les supporters de nouvelles, mais toutes ne sont pas bonnes. Fill me in, Mr. Holmes. I won't shoot the messenger. Je ne suis pas du genre à tuer le messager. J'ai trouvé la trace de Boniface Mercurio. J'imagine qu'il n'est guère réjoui de la situation. Il a connu des jours meilleurs étant donné qu'il est mort, tué par la même personne qui a dérobé son tableau, son propre appartement. Alors c'est pour Mercurio mourir d'une trace de son rêve. Un sort digne d'un artiste, je regrette son sens de l'humour exceptionnel. J'ai pu localiser le voleur, mais je l'ai trouvé assassiné froid et muet comme une tombe. Pas un mot au sujet du tableau. Ah, il est mort, très d'esprit, monsieur Holmes. Peut-on résumer que vous n'êtes pas responsable? Il a évité un accident au camp de réfugiés, en effet, il s'est appelé sur son propre. La vie aussi est cruelle et capricieuse. A été du tableau volé, l'avez-vous retrouvé? J'ai trouvé le tableau, mais je n'ai pas été en mesure de le récupérer. Eh bien, où est-il? Bernadotte, le garde. Bernadotte, cet homme d'affaires véreux, pourquoi l'a-t-il dérobé? Et là, c'est une question que vous devriez lui poser. Je suppose alors que ceci n'est pas votre seule découverte. J'ai trouvé une source d'inspiration artistique de Mercurio, une photographie. J'ai toutefois été troublé par la nature de l'acte. C'est sûr qu'on y voit celui-ci. C'est en fait par la force. On l'aurait violé, grand Dieu, c'est abominable. Son agresseur était l'envoyé britannique de Mercurio à photographier son terrible méfait et s'est servi de l'image pour alimenter sa vision de peintre. Je n'aurais jamais imaginé qu'une vulgaire cambriolage révélerait une telle barbarie. Monsieur Vogel, je souhaite que vous rendiez toutes les affaires publiques, y compris la photographie. Vous avez sans doute une relation à Cordonia Chronicle, non? Monsieur Holmes, fidèle à votre vérité, jusqu'au bout, oui, j'ai quelques connaissances au sein de la rédaction de Chronicle. Les faits sont captivants, en attirant assurément bien des regards sur la galerie. Mais vous devez comprendre qu'en révélant un scandale, vous nuirez aussi à la victime, cela ne vous dérange-t-il pas? Peu importe nos actions, la vérité a tendance à se faire reconnaître, et pour justement, elle ne se trouvera pas sur son chemin. Mais en tout cas, que le seul véritable sujet sera connu, non pas que je vous en juge, il est tout à fait raisonnable pour chacun d'avoir sa propre perspective. Quand vous avez appel à moi, vous savez exactement. Je sais que je ne suis point commis, monsieur Holmes, mais il n'y a rien de sache exactement, quoi qu'il en soit, je dois de vous remercier au nom de l'art. Bien maintenant que toutes ces affaires étaient résolues devant nous, j'ai un présent pour vous. Je me suis permis de le faire livrer au manoir de Stonewood. Une ancienne possession de votre mère. Et comment vous envoyez exactement? À vrai dire, j'ignore comment répondre à ces questions. Vous saurez, j'ai confiance. Vraiment, vous avez insinué que le décès de ma mère n'était peut-être pas dû à une simple consomption. Il semble que vous ayez vu juste. Oh, Dieu Jésus, j'espérais me tromper. Elle était instable, mentalement atteinte. Sa condition exigeait un traitement continu spécialisé qui pouvait vaincre sa folie. Je sais que Violette s'était retirée de la vie publique, mais j'ignorais tout de son affliction. J'ose à peine imaginer ce que vous traversez. Je vais bien. Je suis curieux de découvrir l'objet de la générosité. Affaire terminée. Le musée est venu de loin. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu. Sherlock Holmes, chapitre 1, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!